Salut à toutes et à tous. Alors les images que vous venez de voir et le trailer diffusé depuis le 18 mai d'un jeu qui est très attendu, c'est Doom 4. Alors on ne voit pas grand chose, apparemment des images de gameplay seront disponibles au prochain E3 qui aura lieu début juin. Et après ma chronique sur la série des Wolfenstein, on s'attaque aujourd'hui donc à la série des Doom. Alors en effet, le premier jeu Doom a été créé par la société ID Software, déjà auteur de Wolfenstein 3D, et sera par la suite les créateurs de la série Quake. ID Software fut créé en 1991 par 4 anciens membres de la société Softdisk, John Carmack, John Romero, le designer Tom Hall et l'artiste Adrian Carmack. John Carmack, le programmeur du groupe, crée un moteur de jeu 3D en vue à la première personne. La société l'essaye sur deux jeux, Overtank 3D puis Catacombs 3D. Et c'est toujours en 1992 qu'ils vont créer le jeu qui va lancer la société Wolfenstein 3D. Le jeu fera polémique de par son ambiance tueur nazi avec des croix gammées un petit peu partout et surtout le personnage d'Hitler. Le jeu sera proposé en shareware, un genre de démo, c'est-à-dire qu'un épisode de 10 niveaux étant disponible gratuitement, le jeu comprenant en tout 6 épisodes, ce qui permet au jeu de se diffuser largement, principalement sur PC. C'est seulement un an et demi plus tard qu'ID Software va véritablement faire parler d'eux en sortant le jeu qui marquera toute une génération et même l'histoire de l'industrie vidéoludique, Doom. Alors ce n'est pas vraiment le premier FPS de l'histoire, mais c'est celui qui imposera vraiment le genre dans le monde entier. Aujourd'hui on ne jure plus que par les FPS ou les TPS, et bien c'est ID Software qui l'a inventé. Alors pendant que l'équipe d'ID Software conçoit une suite à Wolfenstein, nommée Spear of Destiny, John Carmack lui s'isole et décide de créer un nouveau moteur de jeu, le Doom Engine. Technologiquement, il n'y a pas photo avec l'ancien moteur de Wolfenstein, le Doom Engine est très novateur. Alors entre autres, les pièces ont différentes hauteurs, avec des murs non perpendiculaires, beaucoup d'éléments du décor sont mobiles, comme des ponts, des ascenseurs ou des escaliers, l'arme du premier plan bouge en même temps que les mouvements du joueur, les textures des décors sont grandement améliorées, ainsi que la lumière, l'ombrage, qui augmente l'immersion et l'atmosphère du jeu. Doom est beaucoup plus réaliste que Wolfenstein, c'est d'ailleurs ce qui va inquiéter de nombreux médias, personnes politiques aux États-Unis, qui vont petit à petit mettre en place le fameux système de classification des jeux en fonction de l'âge. Disponible en shareware comme Wolfenstein 3D, Doom sera téléchargé pas moins de 10 millions de fois la première année et plus de 30 millions de fois en 3 ans. L'engouement est incroyable à tel point que la productivité aux États-Unis baissa à partir de sa sortie et le jeu sera le logiciel le plus installé sur Windows 95, dépassant même le nombre de Windows 95 installés sur des machines. Alors du coup, Microsoft envisagea de racheter ID Software, mais finalement ne le fit pas, préférant surfer sur la vague en créant une interface Windows 95 à l'image de Doom, en vantant un petit peu le système d'exploitation de Microsoft comme étant une plateforme de jeu. Une vidéo promotionnelle de Microsoft sortira même en octobre 1995, montrant Bill Gates incrusté dans le jeu Doom, plutôt marrante et bien réalisée. Alors quand le développement du jeu commença, la 20th Century Fox proposait les droits pour faire de la licence Alien des jeux vidéo. ID Software fut très intéressé, puis refusa, préférant garder sa liberté de création dans le développement de Doom. Le jeu sera quand même inspiré de l'univers d'Alien, mais aussi par d'autres films hollywoodiens. Alors une des armes du jeu, un super flingue avec une chaîne, tire son inspiration de la série des Evil Dead, et le nom de Doom provient du film La couleur de l'argent avec Tom Cruise. What you got in there? In here? Doom. Alors Doom signifie en anglais en gros l'apocalypse, l'anéantissement, la tragédie, le malheur, en tout cas rien qui ne fait penser à une prairie verdoyante remplie de pâquerettes. Hein. Le jeu sera également influencé par le jeu de rôle Donjons et Dragons, dont les programmeurs sont fans, qu'on retrouvera surtout dans la variété des monstres ennemis, dont beaucoup avaient été dessinés à la main ou peints, voire sculptés dans de l'argile ou en latex, puis filmés et numérisés. Tom Hall, un des créateurs de ID Software, écriva même une bible Doom dans laquelle il exposa son projet de jeu avec un scénario prenant place dans une base de recherche militaire sur une planète alien appelée Tethanger avec 4 personnages jouables, chacun ayant différentes capacités dans un univers donc proche de l'enfer, très lugubre. Malheureusement, ce scénario ne fut absolument pas approuvé par John Carmack. Il dira plus tard qu'une histoire dans un jeu, c'est comme une histoire dans un film porno, hein, c'est pas le plus important. Néanmoins, de nombreux éléments furent repris de la Bible Doom pour le jeu final, mais Tom Hall quitta le projet et l'entreprise. Il se servira d'ailleurs de ses 4 personnages jouables dans Rise of the Triad, un autre FPS, et utilisera dans une simulation de vol Terminal Velocity, le nom de Tethanger pour nommer une planète. Alors comme je l'ai dit à sa sortie, le succès a été énorme pour Doom, et il y a plusieurs raisons à cela. Tout d'abord, c'est incontestable que Doom a créé un nouveau genre, le FPS, et l'a surtout démocratisé auprès du public.
La fluidité du jeu, grâce au moteur de jeu bien optimisé pour les PC de l'époque, le gameplay, l'immersion, le challenge, le game design, l'ambiance, ont fait de Doom une référence. Le modèle économique anticonformiste pris par ID Software également, ils n'utilisaient aucun intermédiaire entre eux et le consommateur, ce qui augmentait leur marge, le système de shareware, une démo représentant presque un sixième du jeu. De nombreux joueurs occasionnels se sont aussi mis à jouer aux jeux vidéo, et surtout John Carmack, dans la conception de son moteur de jeu, au contraire de Wolfenstein 3D, avait prévu que la modification du code soit possible par la communauté, les fameux mods. Pendant 2 ou 3 ans, alors que la concurrence s'était mise à concevoir des jeux similaires à Doom, ce qu'on appellera finalement des Doom-like, la communauté a permis de faire évoluer le jeu avec de nouveaux décors, de nouvelles textures, de nouveaux monstres, de nouveaux scénarios, la plupart du temps disponibles gratuitement. Alors cette auto-évolution a renforcé le succès du jeu et sa richesse. Le terme Doom-like perdurera environ 4 ans avant de décliner et qu'on le remplace par le terme FPS. Mais surtout, le plus important pour son succès, c'est le jeu en réseau, le cœur, l'essence même du jeu Doom. Alors en effet, dès le début, le jeu a été conçu pour être jouable en multi, en branchant un maximum 4 ordinateurs ensemble, ce qu'on appelle des LAN, et sera un des premiers à offrir ce mode de jeu. ID Software inventera même le mode de jeu Deathmatch, le match à mort, dans lequel aucun monstre n'est présent, uniquement des joueurs derrière leur écran, devant tuer les autres. Les compétitions verront ainsi le jour, et c'est à partir de là que le jeu en réseau prendra réellement son essor. Alors voilà, je me suis pas mal attardé sur le premier opus de Doom, en même temps il y a que 3 jeux dans la série, mais c'était surtout pour les plus jeunes qui m'écoutent, ceux ayant accès à un ordinateur en 1993 ont eu peu de chance de passer à travers la vague Doom, et donc pour montrer à quel point Doom a certainement révolutionné le monde du jeu vidéo en 1993, et à quel point il a influencé le genre FPS. Ainsi, pour poursuivre cette chronique, une suite sortira en 1994, Doom 2 Hell on Earth, l'enfer sur la Terre. Toujours pas de pâquerettes ou de coquelicots à l'horizon. Deux extensions sortiront en 1995, Master Levels for Doom 2, et en 1996, Final Doom, qui ajoute principalement de nouveaux niveaux de jeu. Doom 2 à l'origine compte 32 niveaux, dont 2 seront censurés en Allemagne à cause de la présence de croix gammées, un clin d'œil à Wolfenstein, plutôt malvenu et assez inutile finalement. Cette fois-ci, on joue le rôle d'un Space Marine qui arrive sur Terre. Il se rend compte que des monstres ont attaqué et décimé la population mondiale. L'histoire se passe donc sur Terre, dans des décors non pas issus d'une base spatiale. Alors sinon, le jeu rajoute bien sûr de nouveaux ennemis, de nouvelles armes, dont le Super Shotgun. L'interface reste quasi similaire, et les décors et textures ont été revus et améliorés. ID Software utilisera beaucoup de références et de clins d'œil. Par exemple, le niveau secret 32, qui fera assez polémique à cause de l'obligation pour le joueur de tuer des enfants pendus pour finir le niveau. On voit ici la présence du personnage de Commander Keen, tiré du premier jeu conçu par l'équipe d'ID Software. Beaucoup de noms de niveaux sont aussi repris de passages de la Bible. Et enfin, ID Software sera très influencé par le heavy metal de l'époque en apposant par exemple le logo N.I.N. dans une salle cachée signifiant le groupe Nine Inch Nails. Et par ailleurs, beaucoup de samples de groupes américains de heavy metal seront utilisés pour créer la bande sonore du jeu, que ce soit Alice in Chains, Slayer, Stone Temple Pilots ou encore Black Sabbath. Alors comme pour le premier opus, la bande sonore est encore une fois très réussie et colle parfaitement à l'ambiance bien bourrin du jeu. Doom est réputé pour ça, hein, c'est la définition du Doom-like. On tire un petit peu sur tout ce qui bouge, ce qui rend le jeu très prenant et très addictif. Le jeu se vendra quand même 1,8 million d'exemplaires, plusieurs fois récompensé jeu de l'année 1994. Une version PlayStation sortira, ainsi qu'en 1997, un Doom 64 sur la Nintendo 64, développé et édité par Midway Games et non par ID Software. Ce dernier portage ne sera pas une franche réussite d'ailleurs, le jeu est un peu vieillot par rapport aux FPS qui sortent en même temps, il n'y a pas de multijoueur, et certains monstres et niveaux ont été retirés par le manque de place sur la cartouche de jeu, malgré 32 niveaux totalement inédits. Alors pendant quelques années, ID Software va s'attacher à une autre licence créée par leurs soins, Quake, qui remportera également un immense succès, faisant tomber la série Doom un petit peu dans l'oubli. Les dirigeants d'ID Software n'étaient pas d'avis à faire un nouvel opus Doom, mais John Carmack l'était un peu plus. Alors après avoir produit Return to Castle Wolfenstein et les bons retours presse, critiques et joueurs, les améliorations techniques qu'ID Software apportait sans cesse à leur moteur de jeu ID Tech, les employés adressèrent un ultimatum, soit ils font un Doom 3, soit ils se cassent. Alors la décision a été prise de lancer le projet en 2000, et après 4 ans de développement, le jeu sort enfin, Doom 3. Doom 3 hein, d'ID Software. Alors cette fois-ci, le jeu a un peu plus de scénario, bien qu'il reste très simple, et l'action se déroule sur Mars, dans une base militaire. Le jeu est graphiquement très beau, utilisant le moteur de jeu ID Tech 4, à tel point qu'à sa sortie, aucun ordinateur ne pouvait exécuter le jeu avec les options graphiques réglées au maximum.
Mais le point fort du jeu reste bien sûr l'ambiance, tout d'abord grâce à la musique et les bruitages. On ressent également une certaine oppression, l'enfermement dans cette base, qui est surtout rendu possible grâce à l'obscurité omniprésente dans le jeu. Les couloirs, les salles sont très peu éclairés et rend Doom 3 une impression de stress permanent à chaque franchissement de porte, un peu à la sauce survival horror mais sans le survival, hein, parce qu'on a quand même accès à une multitude d'armes et de munitions. Le jeu tant attendu par la communauté se vendra tout de même à 3,8 millions d'exemplaires et recevra un excellent accueil critique. Un film pas terrible sortira en 2005, tiré du jeu Doom, sans succès, et la même année, une extension à Doom 3, Resurrection of Evil, dans laquelle le chaos et l'horreur sont toujours présents, le joueur devant lutter contre de nouveaux monstres avec entre autres de nouvelles armes. En 2008, le projet d'un Doom 4 est lancé. L'année suivante, ZeniMax rachète ID Software. Ainsi, Doom 4 sera édité par Bethesda Softworks. Et pour l'heure, seul un trailer est en ligne depuis quelques jours, afin de teaser sur ce jeu en attendant l'E3 2015, lors duquel des images de gameplay seront normalement montrées. Le jeu devrait utiliser le dernier moteur de jeu de l'équipe de John Carmack et l'ID Tech 6. Et c'est ainsi que s'achève cette chronique consacrée à la série Doom, qui comme vous l'avez compris a marqué les débuts d'un nouveau genre de jeu, les FPS, a influencé une multitude de jeux devenant une référence pendant plusieurs années. ID Software, de par la conception de son moteur, toujours au top de la technologie, sait se renouveler pour offrir aux joueurs, aux fans de FPS, des jeux toujours innovants comme ils le font depuis plus de 20 ans. Doom est sans doute une des séries les plus connues, et si vous aimez pas Doom, vous pouvez toujours vous rabattre sur Quake. En tout cas, merci d'avoir suivi cette chronique. N'hésitez pas à liker, commenter et partager cette vidéo si elle vous a plu. Et je vous dis donc à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao !